Ah, Vous ah. Oh, oh oui. Oh Billy, ça a marché. Billy, je vous ai à l'œil. Il est passé où votre grand frère? C'est n'importe, c'est n'importe quoi, Billy, Billy, regarde. Petite information à part, je suis en live tous les jours à partir de 18h environ. Du coup voilà, on passe des heures ensemble sur Minecraft et des fois du Roblox, voilà ça dépend. Et pendant mes lives, il y a plein de dons, il y a plein de sponsors et j'aimerais tout simplement les dédicacer tout de suite. Voilà, je vais dédicacer tous les nouveaux sponsors. Pour les grands trollers, nous avons Midolazone, Fatality Natsu, Brieux Williamson et PMG Poche qui sont devenus grands trollers. Une grosse dédicace à vous les potos. Et attention, nous avons un méga dieu troller. Grosse dédicace à toi, Fat Fares. Être devenu méga dieu troller, n'hésite pas à rejoindre mon Discord pour savoir tous les avantages que t'as, mon pote. Et j'aimerais aussi remercier Amoudji Aliben, Namin Guyen et Karl Etienne Pelluchet d'avoir fait des dizaines et des dizaines d'euros de dons sur mes lives. Ça fait trop plaisir. Vraiment, grosse dédicace à vous, les potos. Oh là là, mais quel beau gosse celui-là. Oh là là, mais quel beau gosse. Oh, mais toi, tu sais que t'es beau, toi. Mais toi, t'es... Oh, c'est bon, les gros. Et moi, je sais pas, c'est ce cas. J'espère que vous allez bien. La vidéo qui va suivre est vraiment incroyable. Elle est trop marrante. Restez bien du début jusqu'à la fin. Parce que ce serait bête que vous ratez des moments marrants. Du coup, voilà, un objectif aujourd'hui pour un autre épisode de ce genre. 13 000 likes, les potes, voilà. Vous mettez un gros pouce bleu, ça vous prend 2 secondes, les amis. Je répondrai aux commentaires qui se trouvent sous cette vidéo. Abonnez-vous, c'est important les amis, pour qu'on puisse atteindre les 440 000 abonnés. On y est presque les potes, on y est vraiment presque. Et bon visionnage. Et c'est parti les amis, du coup voilà, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui les potes, ce qu'on va essayer de faire. Bon, voilà, comme vous le savez, mon petit frère nous a quitté il y a quelques jours. Et ce qu'on va faire durant cet épisode, c'est que nous allons essayer de le ramener à la vie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez rester jusqu'à la fin, parce que je pense que dans cette vidéo, nous allons découvrir des trucs vraiment vraiment trop drôles. Du coup c'est parti les potes, dans un premier temps nous allons aller chercher chez mon fils Billy. Du coup attendez, Billy t'es où? Papa ici, papa. Où ça ici? Papa. Dans le jardin, ok, dans le jardin. Oui. Qu'est-ce que tu fais Billy? Mais papa, c'est Noël papa. Mais depuis quand c'est Noël Billy? Ah ben je sais pas papa, mais dans ma tête je me suis dit que c'était Noël. Mais Billy, mais t'as trouvé tout ça où Billy? C'est sympa de Noël, c'est bonhomme de... C'est bonhomme de neige. Papa, regarde papa, il y a de la neige. Oh non mais Billy, mais arrête de faire n'importe quoi. Mais carrément, t'as même préparé des cookies et du lait pour le Père Noël. Oui papa, comme ça il me donnera plein de cadeaux. Oh non mais Billy, mais qu'est-ce que tu fais? Bon les potes, regardez. Les amis, je compte sur vous pour dire dans les commentaires à Billy que Noël c'est en décembre et pas en mai, parce que là Billy, on s'approche de l'été et toi tu nous mets de la neige. Mais regarde, j'ai même mis ma capuche de Noël. Oh oui. Oh là là, t'as mis une capuche arc-en-ciel et tout. Mais en vrai, c'est stylé ta petite tenue là. Ah, je sais papa, merci. Ok, elle est stylée. Bah, en tout cas les amis, notez sa petite tenue dans les commentaires et je compte sur vous pour lui dire que Noël c'est pas tout de suite. Merci. Bon, Billy, aujourd'hui on a plein de trucs à faire, tu sais. Ah oui, quoi papa? Oui. Bon, moi je sais que la mort de Gary ne t'a pas très bien impacté, parce que oui les amis, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où on découvre le passage secret de mon fils, et bah dans son passage secret les potes, il faisait des trucs, enfin bon, il fêtait un petit peu la mort de Gary, etc. Je vais pas trop vous spoil, mais allez voir ma dernière vidéo. Bon, je sais très bien que Gary ne te manque pas trop, hein, Billy, hein. Ah mais papa, mais bien sûr que oui, mais non. Oh là là, c'est vraiment trop dur. Oh là là, les amis, regardez, Billy fait semblant, on sait très bien que Gary ne lui manque pas en vrai. Bon, Billy, en fait, durant cet épisode, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aller le ressusciter, en fait. Et merde. Mais quoi, mais t'as pas envie qu'il revienne? Non, je n'aime pas, papa. Mais Billy, tu sais très bien que Gary, tous les abonnés le kiffent de ouf. Y'a que toi qui l'aime pas, je crois. Mais moi aussi, il me kiffe de ouf, papa. Oh là 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 là. Bon, les amis, dites-nous dans les commentaires, vous préférez qui le plus entre Billy et Gary, les amis, je compte sur vous. Bref, vas-y, viens, Billy, suis-moi. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que nous allons aller voir Rick, le scientifique. Et lui, je pense qu'il a une petite solution. Comment faire pour ressusciter mon petit frère? Ah, d'accord.
D'accord, papa. Vas-y, let's go, c'est parti. Du coup, nous allons nous diriger vers le laboratoire. Mais tu vas où, Billy? C'est pas par là. Ah, mais oui, papa. Je me suis trompé. Je suis un peu bête avec ma capuche. Bah oui, oh là là. Bon, vas-y, c'est parti. Ce laboratoire est... Wouhou. Hey. Oh, papa. Ça va aller, Billy? Papa. Oh non, ça va aller. Oh, j'ai plein de sang, papa. Oh là. Ça va, Billy. Hey, vas-y, c'est bon. Hein. Mais vas-y, arrête de faire semblant, là. On n'est pas tombé de si haut que ça, Billy. Vas-y, remets-toi normal, là. Mais si, papa, on est tombé de très, très haut. Ouais, c'est ça, espèce de petite chouchotte, va. Vas-y, c'est parti. J'espère vraiment que Rick pourra nous aider, hein, parce que c'est lui notre seule issue, hein, vraiment. Aïe. Ok, bon, papa. C'est parti. Vas-y, ouvre la porte. Je pourrais toucher un truc, papa, s'il te plaît. Ah non, 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 non. La seule règle, c'est de vraiment ne rien toucher. Vraiment, Billy. Je compte sur toi pour ne rien toucher. Mais pas un tout petit truc. Non, 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 rien. C'est lui qui va nous aider, Billy. Du coup, faut respecter son laboratoire. Même pas un de tes cheveux, papa. Là, celui-là, là. Billy, tu comprends quoi? Non, non. D'accord. Wow, c'est Noël. La, 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 la. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, la, la, la. La 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 la. Eh, t'as oublié les traîneaux, papa. Ah, Noël. Oui, les traîneaux. Voilà. La, 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 la. Mais... Ah oui, oui, j'ai oublié, je dois travailler sur une expérience. Oui, mais... alors oui, oui. Mais Rick, qu'est-ce que tu fais, Rick? C'est quoi ce sympa de Noël, là? Bah, c'est Noël. Mais c'est pas Noël, Rick, qu'est-ce que tu racontes, mais si, là? Mais c'est Noël, regarde, j'ai mis les cadeaux et tout. Oh non, les amis, j'ai comme l'impression que Rick est aussi idiot que mon fils. Les deux pensent que Noël, c'est dans bientôt. Mais on est en juin, l'été, c'est bientôt, c'est pas Noël encore. Attends, juin, juillet. Bah voilà. Oh là là. Ah d'accord, j'avais pas. Oh là là, les amis. Eh, franchement, les potes, je compte sur vous, vraiment. J'insiste sur le fait que dans les commentaires, vous devez dire à Rick et à Billy que Noël, c'est pas tout de suite. Merci. Voilà. Bon, Rick, on est venu ici parce qu'on avait besoin de ton aide, en fait. Mais en fait, c'est une aide à quoi? Une aide à nettoyer vos toilettes, à vous brosser les dents, à construire une maison? Une aide à quoi, s'il vous plaît? Non, non, n'importe quoi, Rick. C'est absolument... Moi, j'ai des problèmes en mathématiques. Tu pourrais m'aider. Ah non, je suis nul en maths, va là-bas. Ah d'accord. Le pauvre Billy. Non, je suis plus intelligent. Oui, bah oui, ça j'avais compris ça, Rick. T'inquiète pas, ça j'avais compris. Bah vas-y, Rick. Bah en fait, je t'explique un petit peu. Je sais pas si t'as suivi dans mes vidéos, mais mon petit frère Gary nous a quittés, tu vois. Ah bah écoute, c'est pas pour être méchant, mais je dois faire des expériences, alors j'ai pas trop le temps. Ah oui, bah en soi, c'est pas grave. Mais en fait, tu vois, mon petit frère Gary manque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à mes abonnés. Oh, quel dommage. Ouais, quel dommage, c'est ça. Et en fait, on voudrait le ressusciter. Est-ce que tu pourrais nous aider, s'il te plaît, Rick? Mais pourquoi tu te marres? C'est quoi qui est rigolo dans ce que je viens de te dire, là? C'est la manière dont je peux t'aider. Viens avec moi. Comment ça? Alors, tu préfères être découpé? Oh, mais comment ça, découpé? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette tronçonneuse, là? Écoute, pour aller au paradis, il faut vous tuer. Mais tu veux nous tuer? Mais non, mais nous, on veut pas... Mais pas de panique, je vais conserver vos corps ici, je vous ressusciterai, et comme ça, tout redeviendra normal. D'accord, et pour ramener mon petit frère, du coup, vous allez me donner quelque chose à lui donner, ou un truc comme ça? Et dans le cadeau, il faut donner des potions. Cette potion, oui, c'est vrai. Ah, t'as quelque chose qui pourra nous servir? Ouais. Alors, c'est une potion. Par contre, vous ne la buvez pas, ok? D'accord. Non. Mais là... Bon, Souka. Du coup, vous voulez que je vous tue comment? Vous voulez mourir découpé, explosé? Parce que regardez, ça explose bien. Ouais. Attends. En gros, ce que tu vas nous faire, c'est que tu vas nous donner une potion que je devrais donner à mon petit frère. Et pour que nous, on puisse aller le voir, faut que tu nous tues, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait, oui. Ok, bah... Alors, soit je vous tue au laser, ou soit je vous tue gentiment. Billy, on n'a pas trop le choix, en fait, hein. Ah, moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée, papa, là. D'accord. Alors maintenant...
maintenant, vous deux... Attends, tenez, je vous donne la potion. Merci. Voilà. Du coup, vas-y, on se place où? On se place à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Alors... En fait, c'est des vitres exprès... Par contre, Rick, faudrait faire... J'ai un peu peur, là, papa. Oui, j'ai un petit peu peur aussi. Regarde, il a un bazooka. Tu vas nous tirer dessus, Rick? Oui. Bon. Mais attendez, je vais refermer. Ok. Comme ça, je dois juste placer... J'espère que l'expérience de Rick va marcher. J'ai peur. Allez, c'est mon arène mort. Préparez-vous. 1. Je vous aime, tout le monde. Non. Voilà. Oula. What? What? On est où, là? Billy? Papa, non. Billy, ça va aller? Mais Billy, mais c'est quoi cette tête? Mais t'as un lapin, Billy, incroyable! Mon au paradis, mais attends, c'est qui ça? What? C'est qui lui? Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais en train de jouer de la musique. Bon, on voit ça, mais. Que faites-vous ici? En fait, on est au paradis, en fait. On est venu ici pour récupérer notre petit frère. Non, vous êtes au paradis, je le savais pas. Merci. Oh là là. Mais attendez, excusez-moi. Mais vous êtes Jésus? Oui, bien sûr, je suis Jésus-Christ. Oh! Jésus-Christ! Allez, vas-y! Crie! Eh ben, ne te moque pas de moi! Avec ta tête de. Ah, d'accord! Pourquoi t'as un truc de lapin, toi? Malformation! Oh là là, mais c'est incroyable! Mais oui, mais pourquoi mon fils? Bienvenue dans le paradis! C'est pas grave, celui va très bien! Waouh, parce que là, il a une malformation, on dirait un gros lapin tout moche, là! Il est moche de base, donc ça change pas grand chose! Oh là là, bon, les amis! On a l'air d'être au paradis, regardez, Jésus est juste devant nous, il nous faisait une... Dites-moi, Jésus, c'était quoi la musique que vous nous montrez là? Alors c'était... Enfin, vous connaissez la musique. Ok, d'accord. Bon, bref, Jésus, nous en fait, on est venu au paradis pour venir voir mon petit frère Gary. Est-ce qu'il est dans les parages? Ah, votre petit frère Gary là-bas, il s'amuse bien, il est là-bas. Quoi? Ah, c'est lui qui est là-bas, là? Oui, suivez-moi. Vas-y. Oui. Viens, Billy, viens. Il fait des petites bêtises, hein, quand même. Oh. Ok, vas-y, bon, let's go. C'est le paradis. Ouais, c'est le paradis. What? La, c'est trop bien. Lève toi, sale gros lard. What? Coucou Gary. Ah, coucou grand frère, ça fait longtemps. Ah, ça va Gary, mon petit frère, comment tu vas? Oh. Bah écoute, oui, ça. Bah écoute... What? Mais attends, Gary, mais dis-moi, mais t'es super bien là où t'es une piscine, des gâteaux plein de cadeaux et des filles. Salut beauté, ça va? Ah non, mais non, regarde, j'ai pas des gâteaux. Si je veux, regarde. Et j'ai un cadeau qui apparaît. What? Incroyable. Patouche. What? Voilà. Wesh. Ah ouais, Billy, t'aimes bien le paradis? Ah oui, j'adore surtout les filles du paradis. What? Ah, on peut s'installer? Mais... Installez-vous. Ok, merci. Par contre, toi, tu t'installes pas parce que tu as dû me faire payer des factures. Moi, j'aime pas les factures. Alors toi, tu t'installeras pas. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, t'as compris, allez, c'est bon. What, incroyable. Mais attends, Gary. Mais attends, mais oui. Dis-moi, tu sais que tu manques vraiment à tous mes abonnés, Gary. Et à la maison aussi, tu sais, il y a un vide et on a envie que tu rentres à la maison. Oui, bah écoute, ça me manque aussi les abonnés. Eva et Billy me manquent pas trop. Mais j'ai envie de rejouer à mes jeux vidéo. Bah oui, Gary, parce que là, bon, c'est vrai que là, t'es au paradis, tu peux tout avoir, mais nous, on n'est pas avec toi. Mais d'un côté, il y a ça, sur Terre, il n'y a pas. Du coup, je sais pas comment trancher, tu vois. Oh là là. En plus, regarde, il fait chaud. Ouais. Et j'ai la piscine. Oh, c'est vrai que là, Gary est plutôt bien au paradis. Mais bon, les amis, vas-y, Billy. Hé, Gary. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est tous les jours Noël. Ouais, t'as plein de cadeaux en plus, c'est incroyable. Regarde, papa Gary, tiens, je t'ai offert un petit cadeau. Parce que je suis vraiment triste que t'es parti. Regarde dedans. Il y a une potion. Montre ce qu'il y avait dans le cadeau. Oh wow. Ok, c'est la potion que Rick nous a donnée. Attendez, c'est quoi ça?
Ça s'arrête pas à la potion. Bah en fait c'est une potion à qui va... À part des muscles. Ouais voilà, il va, t'auras plein de muscles Gary, grâce à ça t'auras plein de muscles. Ok. Vous avez... Oh, oh oui. Oh Billy, ça a marché. Billy, je vous ai à l'œil. Il est passé où votre grand frère? C'est n'importe quoi. Oui Billy, regarde, on a le paradis rien que pour nous les potes. Oui, la potion a marché. Je pense que ça a dû ressusciter mon petit frère. Du coup Billy, vas-y, je pense que nous aussi on va revenir dans le monde normal. Oui, on va se tuer. Ouais, vas-y, on se tue, let's go. Woo. Oh, c'est bon Billy. Oh, on est revenu. C'est bon, nickel. C'est bon. Je voulais rester, papa, il y avait des jolies filles. Oh là là, mais vas-y, Gary, Billy, vas-y, c'est bon. Attends. J'ai même fait connaissance, elle avait dit qu'elle s'appelait Anissa et Weshden, papa. Ah oui, d'accord, ok. Après Weshden, elle a dit tu parles à Anissa, m'appelle Weshden. Vas-y, Billy, Billy, tais-toi, Billy, calme-toi. Mais c'est pas attends, on doit vérifier si Gary, il est là. Gaga, quoi. What? Papa, chut, papa. Coucou, Gary. Frère. Ça va Billy, je viens à peine de redescendre du paradis, tu commences déjà à me casser les bourrelets, ok? Alors, coucou grand frère, coucou Gary, mais t'es pas content d'être revenu à la maison, Gary? Bah, si, je suis très content parce qu'il y a la télé, il y a Bob l'éponge, il y a les fauteuils... Il y a la grande piscine. Ah oui, par contre, en fait, au paradis, j'ai fait semblant de teindre parce qu'il y avait Dieu et je voulais pas qu'il me... Ah, d'accord. En fait, parce que je voulais pas me retrouver en enfer. Ah oui, d'accord, ok, parce que oui, de base, c'était en enfer. Bon, les amis, en tout cas, voilà, on a réussi à ressusciter mon petit frère Gary. Si vous êtes contents, les amis, si vous voulez de nouvelles vidéos avec mon petit frère, il nous faut un objectif de 13 000 pouces bleus, les potes. Allez, mettez tous un like, les amis, tous ceux qui n'ont pas liké. Mettez un tout petit pouce bleu de rien du tout, ça fait trop plaisir. En tout cas voilà, tout se passe bien, qui finit bien. Et j'aimerais aussi remercier Billy, Break the Time et Alexandre d'avoir participé à cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Souka. Ciao.